سلام على الحضور الكريم. والله كنت نظر دكتورة محمد الأمين مرخي pour la soutenance de sa thèse sous le titre « Modélisation asymptotique des problèmes d'évolution par les dérives fractionnelles conformes ». Le jury devant un jury composé de M. Barrabah, Oustad Mouhadr, Jamat 845, professeur Ghazal Ahmed, Marquez Jamat Abdel Hafid Boussouf, professeur Mesbahi Salim, Jamat Farhat Abbas Steif, professeur Mohamed Zine Issaoui, président de jury, les encadreurs Rabia Al-Nordine, Jamat Sougaras, ou Dr. Moun Bekhous, Jamat Hamal Akhdar Melouen. Vous avez entre 20-40 minutes, vous voulez nous aller à la plage, pour exposer l'essentiel de votre travail. Allez-y. Bon, salam alaikum. Chers messieurs, présidents et membres du jury, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour l'honneur que vous me faites en étant présent à ma soutenance et pour le temps précieux que vous m'accordez. Vos expertises et vos observations seront sans aucun doute d'une grande valeur pour enrichir ce travail. Je vais maintenant vous exposer les principaux résultats de mes recherches portant sur la modélisation du système chimique oscillant à l'aide de la dérivée fractionnelle. Mon travail a pour objectif d'explorer de nouvelles approches permettant de décrire de manière plus précise et réaliste la dynamique complexe de ces systèmes, souvent rencontrés dans des domaines aussi variés que la biologie, la chimie et la physique, en espérant que ceux-ci apporteront une contribution significative à notre domaine d'étude. Le titre de ma thèse s'intitule « Modélisation asymptotique des problèmes d'évolution par des dérivées fractionnelles conformes » sous la direction du Dr Nordine Barrabia et Dr Mohamed Moumen Bekhous. Mon exposé sera divisé en trois sections. La première section, je présente la dérivée conforme et le modèle Bruce-Latour. La deuxième section, je présente modélisation avec vitesse chimique constante. J'expose le modèle fractionnel, existence et unicité, puis simulation numérique. La troisième section, de la même manière, sauf que j'ai fait une modélisation avec vitesse chimique variable. J'expose aussi le modèle fractionnel, existence et unicité, et puis simulation numérique. Traditionnellement, les modèles mathématiques utilisés pour décrire ces phénomènes reposent sur des équations différentielles d'ordre entier. Cependant, ces modèles présentent certaines limitations lorsqu'il s'agit de capture des effets de mémoire présents dans les systèmes réels. Dans cette thèse, je prends une autre approche en utilisant la dérivée fractionnelle conforme. Cette approche mathématique permet d'introduire une notion de mémoire dans le système, ce qui se révèle particulièrement pertinent pour décrire le phénomène de relaxation lente ou de diffusion anormale. La dérivée fractionnelle que nous intéresse, c'est de Capoto-Fabrige. Car il existe d'autres dérivés fractionnels comme Capoto, Khalil, Gbay, Ghirat, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette dérivée-là. Pour les raisons suivantes. La dérivée est fractionnelle car alpha
يتحرك entre 0 et 1 il porte n'importe quelle valeur de cet intervalle là علاش سميناها فراكسيون لا ديريفي اللي لا z بريم et m alpha est une fonction quoi m alpha est une fonction quoi on est libre de choisir quand on veut عندنا la conformité qu'est-ce que ça veut dire dérivée fractionnaire conforme on récupère f de t quand alpha tend vers 0 et lorsque alpha tend vers 1 on récupère la dérivée f prime c'est une classe très intéressante en modélisation physique car elle décrit la vitesse et ce qu'on essaie d'apporter à travers ce travail elle a les avantages suivants elle a l'effet mémoire régularité et approche asymptotique premièrement pour l'effet mémoire du fait qu'elle est sous intégrale entre 0 et t entre 0 et t elle intègre l'influence des événements passés sur l'état présent du système elle respecte le principe de causalité ce qui est crucial pour comprendre le comportement oscillatoire. Deuxièmement, elle a la régularité. Le noyau exponentiel n'introduit pas de singularité mathématique, ce qui garantit un comportement régulier de la dérivée de Capoto-Fabrizio, ce qui améliore la stabilité numérique et l'applicabilité, évitant les erreurs numériques et le débordement. Contrairement aux autres dérivées, on trouve division par zéro, lorsque S tend vers T. Troisièmement, on a le comportement asymptotique. La dérivée de Capoto-Fabrizio converge vers la dérivée classique lorsque l'ordre fractionnaire alpha tend vers 1, ce qui assure une cohérence mathématique. Et donc, les avantages liés à la dérivée. Maintenant, on présente le modèle Bruce-Latour. Ce modèle est un problème de la chimie cinétique. Elle est cinétique car V1, V2, V3 et V4 représentent des vitesses. Notre objectif est d'étudier le comportement des deux composantes X et Y dans le temps. C'est un modèle très, très connu, très intéressant. Il modélise énormément de problèmes en chimie, biologie, c'est-à-dire qu'il explique le vivant et l'émergence. Le modèle mathématique classique représenté dans ce sens, ce modèle a des inconvénients surtout en numérique. Il représente un grand défi d'instabilité numérique car on a la non-linéarité. Avant de commencer la modélisation fractionnelle, on va faire une réduction de l'inconnu Y'. On fait la résolution de l'équation, on obtient Y. On remplace Y dans X', ce qui donne X' de T. Donc on a obtenu une seule équation X' avec un seul inconnu X. Puis on va représenter X' avec la dérivée fractionnaire de Capoto-Fabrizio qu'on a choisi et on obtient cette équation R. C'est-à-dire qu'on a remplacé la dérivée classique X' par la dérivée fractionnaire de Capoto-Fabrizio d'alpha CA. On utilise le résultat du docteur Moumen Bekouche, le suivant. Et c'est une représentation de l'intégrale fractionnaire de la dérivée fractionnelle de Capoto-Fabrizio, elle est équivalente à ça. Tout d'abord, on néglige ce terme-là, car alpha approche de 1, et en choisissant V2 et V3 approche de 0, ce terme suivant sera négligeable. Ce qui donne cette équation Hedia. C'est une équation de Volterra avec un fonctionnel.
à l'intérieur, ce n'est pas une équation classique de Rotter, puisqu'à l'intérieur, il n'y a pas un noyau, mais une fonctionnelle de x. Et puisque nx elle-même est un opérateur de Rotter en ordinaire, qui contient un noyau à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle est différente. Donc, on va commencer à étudier l'existence et l'unicité de cette équation. Nous commençons par étudier la ellipticité de cette équation. On a opté pour ça la ellipticité locale. On a opté pour ça la ellipticité locale car on ne peut pas obtenir mieux. Nous montrons ces conditions, nous définissons cette boule très spéciale dans notre problème, que Nx est ellipsésienne localement sur n'importe quelle boule de la forme L. Donc si A et B changent, la constante de l'ellipse correspondante change aussi par rapport à la norme C0 bêta gamma. La difficulté de notre travail, c'est ce résultat-là, et lorsque N ellipsésienne, l'équation admet une unique solution, et c'est une technique classique à résoudre. On a résolu le problème en faisant une étude à part constante sur des petits intervalles. Maintenant, on passe à la simulation numérique. On utilise la méthode de Nystrom. Pour cela, nous définissons les nœuds, les poids. Et une fois appliqué la méthode de Nystrom sur notre équation, cette méthode nous donne les XI. Les XI ici obtenus d'une manière implicite. Et une fois les XI obtenus, on utilise pour calculer les YI en utilisant cette formule. Les résultats. Nous choisissons A, B, les VI, les V1, V2, V3, V4 et alpha. On voit que l'algorithme converge parfaitement. Le comportement est stable vu que la solution se comporte bien. Il n'y a pas de saut inexpliqué numériquement. Et on voit que pour ces valeurs, on a V3 akbar tamam min V2, le X domine Y. Le X à l'arrière de l'azrak domine Y. C'est-à-dire la concentration dans la matière X est tout le temps grande. On a opté de garder les mêmes valeurs et on change uniquement V2, on change uniquement V2 et V3. Maintenant qu'il khayru V3 asghar min V2, on voit que Y domine. Ou qu'il khayru V2 et V3 proches, on voit une oscillation, à chaque fois un domine l'autre. Ce qui reste fidèle au modèle de base. On a le modèle de Brossard. V2, ici, V2, c'est la vitesse de décomposition de X en Y. Et V3, c'est la vitesse de décomposition de Y en X. Donc, plus V3 est imposant, X est dominant. Voilà, je vous fais un nom, si il y le graphe. Un des V2 imposant, X est dominant. De plus, si V2 est imposant, Y est dominant. On a un appel graphe. Ici, s'ils sont proches, il y a une oscillation. C'est V2 qui dit. C'est la destruction de X et la formation de Y. C'est V3 kbir, c'est la destruction de Y et la formation de X. Maintenant, on va faire une comparaison. On fait une comparaison entre les tests expérimentaux de Rajiv et nos résultats. Ce qu'on a obtenu est bon mathématiquement, est stable numériquement, mais il n'est pas physique. C'est pour ça
C'est pour cette raison qu'on a opté de réétudier le modèle avec des vitesses variables. Pourquoi on doit imposer les vitesses variables? Il y a des facteurs influençant la vitesse de réaction, comme la concentration des réactifs, la température, la pression et les catalyseurs. On va maintenant suivre les mêmes étapes que par avant. Aussi, là, on a des VI que nous appelons la déconstante. Maintenant, ce sont des variables V1 de T, V2 de T, V3 de T, etc. Donc, avec les vitesses en fonction du temps, on a un tibre nefs. مخدمنا كبيرة عندنا لا ريدكسيون دانكوني هنا موديل فراكسيونال نفس الشيء انا اوتيليزي لو ريزولتا دو مومنت دو كوش سويفون انا نيجليجي سو تيرم لا بنفس الشروط تاع كبيرة وخرجت لنا ليكواسيون دو فولتيرا افيك ان فونكسيونال هنا نفس ما اختمنا قبيلة على نفس دي زيطار هالي فيزيتي لوكال لا سوليسيون اناليتيك انا انا اتدي انا في لا ميثود دي نيستران ان دي سيستام ا دي زيك سي دي دي سيستام دو دي زيكراك اي Et voilà les résultats, simulation numérique taille. Donc, avec les vitesses en fonction de T ou du temps, on a capté toutes les oscillations, les mêmes quadrines, un chauffement, fait le modèle. On va faire une comparaison entre les tests expérimentaux de Rajiv et nos résultats. نظن هذا يبان احسن نعم اي بابا elle est bonne mathématiquement et stable numériquement et elle est une solution physique donc nos résultats montrent que le modèle fractionnaire offre une meilleure adéquation avec les données expérimentales et permet de capturer des comportements dynamiques plus riches que le modèle classique. En particulier, on a pu mettre en évidence l'influence de l'ordre de la dérivée fractionnaire sur la fréquence et l'amplitude des oscillations. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour la modélisation de systèmes complexes et pour y trouver des applications dans divers domaines tels que l'optimisation de processus industriels ou la compréhension de mécanismes biologiques. Voici quelques références. Et enfin, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On remercie le candidat pour son exposé vraiment assez clair, même limpide on peut dire, très intéressant, montrant une bonne maîtrise de son sujet sur tous les plans, théorique, numérique. On va passer aux questions et on commence par nos collègues invités. Et je commence par mon collègue juste à gauche, invité de Mila. S'il a des questions, des remarques, le candidat est à vous. Merci beaucoup. أولا نشكرك على هذا الدبات المطول والوقت ثاني حاجة نشكرك على البيبليكاسيون. نشكرك في سنت أ في المجلس الجزائرية وفي السكوبيس هي في الربع الأول. في الوقت. Thank you.
بعض الأسئلة. Quelle est la différence principale entre les dérivés fractionnels classiques non conformes et les dérivés fractionnels conformes? La dérivée fractionnelle conforme, la limite de alpha quand alpha tend vers 0, t'atteigne f de t. Et quand alpha tend vers 1, t'atteigne f prime. Ça le crée, mais في بعض الأحيان يكون دي ديريفي دون كونسونت ما تعطيناش زيرو وما عندهاش سونس فيزيك يعني في الحقيقة ديريفي دون كونسونت ما يعني محايد عن الكيمان تلقى بوتو فابريزيو اللي زافونتاج تاعها انها كيما نقولوا هادي عندها لا كونفورميتي بسبت هادي alpha quand alpha tend vers 0 t'atteins r de t et quand alpha la limite quand alpha tend vers 1 t'atteins f prime. C'est pour ça qu'on dit dérivé fractionnaire conforme. عندي ملاحظة ثانية فيما يخص المذكرة لقائمة المراجع كيف رتبتها؟ قائمة المراجع كيف رتبتها؟ الألفابي ولا؟ والله نسيت في بعض الأحيان خدمنا أرتيكل رتبناها بارا ألفابي نورمالمون بالك بارا ألفابي والله نسيت عليها يعني عندي بزاف اللي درتها نورمالمون بارا ألفابي باسكو قبل كنت خدمها هكاك ومن بعد رتبتها بارا. في ملاحظة فقط إذا كان في الألفابية كاين بعض المراجع يعني ماشي مرتبة هاي حاول إن شاء الله ترتبها إن شاء الله هاي قبل ما تحطها أونلاين. سؤال آخر كومون لوتيليزاسيون دي ديريفي فراكسيونال كونتريبيوت إلى ليتيود دو موديل؟ La question, comment l'utilisation des dérivés fractionnels conformes contribue-t-elle à l'étude du modèle? عندي سؤال أخير لك ما هو أصعب تحدي واجهته في إعداد هذه المذكرة؟ الفهم السؤال الأولي ما هو أصعب تحدي واجهته في إعداد هذه المذكرة؟ في إعدادها؟ نعم كتابة كتابة المذكرة ربي يقدر لك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. تشكر يا أستاذ الأمر كلمة سي مصباحي سليم أستاذ وزارة الصحة نحضر الميزان اللي تاع المعلم مع الدولة تاعنا مش مشكلة. إيليا دونك ميرسي مسيو لو بريزيدون ودائما je remercie le candidat pour son exposé très pédagogique très clair. Et donc toujours je remercie pour l'invitation le comité scientifique, le président du jury, les encadreurs et tout. Donc avant de poser quelques questions je veux dire quelques remarques sur la thèse. À mon avis j'ai trouvé que la thèse de monsieur Merlihi explore des systèmes dynamiques complexes en se concentrant sur le modèle de Brissolato. Elle vise à améliorer ce modèle en utilisant la dérivée fractionnelle conforme de Capito, Fabrizio. Sur la méthodologie, la thèse est bien structurée, bien rédigée, et tout, structurée en trois chapitres homogènes, c'est bien. Donc, pour les ouvrages, le candidat utilise une liste riche de références. Je crois que la liste de 30 références couvre le domaine étudié.
sur les résultats de la recherche. Les résultats sont méthodiquement présentés et démontrent une solide compréhension des concepts mathématiques. Les arguments fournis sont prometteurs et ouvrent des perspectives pour de futures recherches. Les résultats sont significatifs et rigoureux, avec des conclusions publiées dans une revue scientifique de renom. La thèse est en lien avec une publication de haute qualité. Donc, pour les questions, je commence par vous dites que la limite quand alpha tend vers 1 de la dérivée fractionnaire nous donne la dérivée classique. Vous dites ça. La notion de la limite, est-ce qu'il y a une limite, la limite quand alpha tend vers 1, on n'a pas de limite, je crois. La dérivée d'ordre alpha, est-ce qu'on a une limite sur alpha? Limite sur alpha. Oui, vous dites que la limite de la dérivée d'ordre alpha de f, quand alpha tend vers 1, nous donne la dérivée classique de f, f'. Est-ce qu'il y a une notion de limite ici pour la dérivée? Je crois, à mon avis, je crois qu'on n'a pas de limite ici. C'est un ordre de dérivation, ce n'est pas une limite. Je crois que Capote ou Fabrizio a publié ce résultat. Ça, on ne peut pas dire la limite quand alpha tend vers 1. On n'a pas de. À mon avis. Je une limite sur alpha. C'est un ordre de dérivation. Pour alpha appartient à certains intervalles, 0, 1 par exemple, des caractéristiques. À mon avis, je trouve qu'il y a une nesse, la dérivée f', je crois, par définition, n'est pas la limite de la dérivée de f d'ordre alpha quand alpha tend vers 1. C'est une remarque, cette même question. Vous avez utilisé la dérivée au sens de Capoton. Est-ce que les résultats obtenus sont valables si on utilise une autre définition? Maintenant, les dérivées fractionnaires, il existe plus de, je crois, 62 définitions de la dérivée fractionnaire. Pour la dérivée de Capoton, c'est bien les résultats qu'on a. Est-ce que les résultats obtenus restent valables même si on utilise d'autres définitions? La dérivée au sens de Liouville ou la Liège. Les avantages, bien l'autre, on a l'exponentiel, on a la singularité. Quand la limite est divisée par le résultat. Est-ce que si on utilise une autre définition de la dérivée fractionnelle, si on utilise la dérivée de Liouville ou n'importe quelle définition, qu'il existe 62 ou plus de 62 définitions de la dérivée fractionnelle. Est-ce que si on utilise une autre définition, un autre sens de définition, est-ce que les résultats obtenus restent valables? La conformité est. Très bien. Pourquoi dans le modèle étudié, pourquoi aller à cette dérivée? Est-ce que le modèle qui exige ça, ou pour améliorer le modèle, ou il existe
Pourquoi aller à ce moment-là? Pourquoi aller à la dérivée fractionnaire? Est-ce que la dérivée classique va t'atteindre les stratégies pour le modèle étudié? Le classique, la dérivée classique, premièrement, maintenant j'ai l'effet mémoire. Maintenant l'effet mémoire. L'effet mémoire, on a l'effet mémoire, parce que l'intégrale est à 0, l'effet mémoire. De plus, on a l'effet mémoire, vous avez été traché pour l'ancien. وعليه روح انا وعليه روح لا لا ديريفي هذه فراكسيونير اصلا يعني وعليه ما نكتفوش بلا ديريفي فراكسيونير لا ديريفي كلاسيك بو عندنا سيستم تاعنا هنا عندنا هنا لا لينياريتي صح هذا اسمح لي هذا انا نخدم مع هذوما في لا شيمي سينيتيك هذا سي مع لي رياكسيون اليمونتير اللي درت هذوك اكس تعطيك ا نسموهم لي رياكسيون اليمونتير ولا لو ميكانيزم رياكسيونير دونك هذه ما تعطيناش لا ميثود اللي نخدموا بها C'est un système soit ordinaire ou même si le laplacien, c'est un système non linéaire, différentiel. Et il y a un peu de la méthode, je crois, le nom. ولا سهلت لك الخدمه اللي درت ما دير لي فراكسيونير سهلت لك لي لو سيستم هذا يعني ولي هكذا يعني تسمى كي درت هذا اللي هذا سهلت الخدمه خير هو ما عطاتنا النتائج صحيح هذه النتائج وي كيما نقولوا فيزيك على خاطر خلاص نقارن هنا موتر لي تيست اكسبيرمونتال راجير وموريجيتال يعني عندها جير كيستيون بصح ما نكثرش مسمى نكثرش يعني بس زيد واحد بالك ولا سليم خبي يوم زيد واحد بالك يعني هكذا تستفاد منه انت مش كومو لي شوا دي بارامتر انفلونس دي لي ديناميك دو سيستيم كوم لي ستري دون لي فيغور بريزونتي لي شوا دي Les choix de comment, les choix des paramètres influencent-ils les dynamiques du système? Des paramètres, certes, comme illustré dans les figures présentées. Donc, merci. On remercie votre professeur. On a essayé un petit peu de l'arrêter quand même. Il y a tout à l'heure, ils ont compris, parce que nous, on ne dit pas que c'est un doctorat, un doctorant. Et là, il y a deux limités, il y a certaines choses que je ne vois pas. C'est un exemple, il y a une autre personne tout à l'heure pour nous expliquer ça. La publication, c'est excellent. On peut ouvrir le débat tout à l'heure. On va écouter notre collègue Barre. السؤال تاعي كاين حنا بان في ليكواسيون تاعنا كاين كونديسيون انيسيال تاع اكس زيرو استعمال تاعها وين درتيها؟ اكس زيرو اكس زيرو يقال زيرو استعملتها كي درت تاخر ريدكسيون تاع ريدكسيون تاع تاع لي زانكوني بويسك إيكغيك زيرو استعملتي لها إيكس زيرو ملقيتش بلاصتها إيكغيك زيرو إيكالا زيرو
لقيت غير تلقى الكونستون بصح تاع اكس 0 يقال 0 ما تلقيش الاستعمال تاعها وين بلاصه استعمال تاع بلاصه بريديكسيون تاع لي زانكوني هذيك باش حنا نديرو الاخرى كيف نديرو رجع من بعد نديرو السؤال الثالث والاخير على بالي ليكواسيون تاعنا كانت اكس بريم ايغال الو ترون بلاصه اكس بريم بلا ديريفي تقدر هذا كانت اكسبريم لا دخل وين رون بلاسي داك اللي بتاعها فراكسيونال هذه هذه هي ديكواسيون تاعنا الاصليه هذه هي اكسبريم اكسبريم ترون بلاصات بلا ديريفي فراكسيونال بلا ديريفي فراكسيونال دي اربع هذه واش كون نديروها في الانجليزي زعما تصلحش قبل ما نلعب ديال اكس صافي بون انت واش سمو شو برك رون بلاسيتي برك دير في ازيا دير لي فراكسيونال ومشيتي في الخدمه تاعك شكرا بارك الله فيك اون ميرسي بوك اوس انوا هو دي باس لا بارول بور دي كومونتير جو كومونس بار دوني تي كومونتير بور نوتر كولير دي دكتورون Moi, je trouve que le travail est assez complet, parmi les meilleurs travaux que j'ai depuis que j'étais toujours membre de jury, parfois président, je trouve un travail complet qui commence par, surtout avec une approche très pratique et appliquée. Parce qu'il est parti déjà d'un problème physique, carrément, c'est un problème de réaction chimique. Et il a donné, malgré que le modèle, il existe déjà, mais il existe sous une autre forme. Et il y a des transformations qui ont débouché. C'est les équations qu'on est en train de traiter, les équations intégrales au niveau du lab. C'était extraordinaire. Je crois que le travail est compris parce qu'il y a une partie théorique où il y a une démonstration rigoureuse. Il y a une partie numérique qui conforte et confirme nos résultats théoriques. Je crois que ça fait partie des tests complets que j'ai l'habitude de voir de plus près. Donc je félicite notre candidat, franchement, pour la complétude du travail, pour aussi l'approche, c'est l'approche normalement de mathématiques appliquées pour ce genre de sujet, partant d'un problème physique, arriver à modéliser tout ça et donner des résultats numériques pour comporter les résultats théoriques. J'ai une petite question, c'est tout à fait normal. Même si vous ne répondez pas, ça n'enlève rien à ce que vous avez fait. Vous avez négligé V3, je crois déjà il y a deux mois, vous avez négligé V3, V2. Vous l'avez négligé. Vous avez dit que c'est proche de zéro. Ah. Vous avez le droit de le faire ça, je peux le supposer, pas de problème. En maths, on peut mettre la cadre de mettre l'eau pour arriver à des résultats. Est-ce que physiquement, est-ce que ça répond un petit peu à l'expérience, au système de départ, le truc chimique là, est-ce que lorsque vous avez négligé ça, une relation directe avec ce qui va se passer ou ce qui a été passé lorsque ces vitesses-là seront négligées, est-ce que l'expérience continue de la même façon, est-ce qu'il y a un petit changement, est-ce qu'il a été sur le plan pratique les gens, ils ont négligé ça, ils ont trouvé de bons résultats. Je parle de l'expérience, je ne parle pas de mathématiques. Moi qui néglige, je n'ai pas l'expérience. Vous avez négligé. Ben d'accord, mais je n'ai pas l'expérience. Là, est-ce qu'il y a une empreinte sur le côté pratique? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça représente normalement sur le plan expérience? Si on néglige les vitesses, on n'avait aucune idée. J'espère que vous allez voir ça de plus près. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, lorsqu'on a des vitesses quand même qui variables, on peut aller vers une petite accélération. Pourquoi pas? L'expérience, on peut l'accélérer. On peut juger que l'expérience sera accélérée. Et ça donnera un nouveau système. Où il va apparaître peut-être une petite accélération. Et on va peut-être la prendre en considération dans un nouveau système. Pourquoi pas? Je ne suis pas trop spécialiste dans ce genre de trucs.
مي دي كوليغ اون بارتيكولي نوتر كوليغ يعني غبي بو توجور ريبوندر بو اسي دو بوتيت كيستيون اي بو فوز اوريشير سي لو بلان سيانتيفيك اي بو فوز اورينتي اوسي pour continuer à travailler dans cette direction-là. Je termine par vous féliciter. Merci. Je passe la parole maintenant aux encadreurs. Je commence par le co-encadreur, c'est tout bon. Je commence par vous. Parce que vous avez suivi le travail un peu plus de plus près. C'est votre travail déjà. Tout à l'heure, il vous a cité. C'est une définition. Moi, je trouve qu'il a dit que la définition, il a déjà. Le résultat du monde. Donc, vous avez intérêt un petit peu à régler un petit peu ce qui n'est pas réglé chez nos collègues examinateurs. Le résultat, oui. Elle est impeccable. C'est une clé. C'est une clé qui vous a ouvert. Il a ouvert au secteur. Donc, il a parlé tout à l'heure beaucoup de choses, donc pourquoi on a choisi un petit peu tout ça, exactement parce que vous avez travaillé aussi sur cette capitale de la prison. Pourquoi on l'a choisi, quel est le rôle terrain, quelle est l'identité, la culture générale. Nos collègues qui ne sont pas trop spécialistes dans ce domaine, ils veulent comprendre un petit peu. Indépendamment de l'histoire publique, il reste toujours, comme il a dit, un article dans le A, c'est extraordinaire. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين أما بعد نشكر الطالب على ما أفاد وأجاد عرض جيد ما شاء الله عمل مسبق جيد وكان مهتم ومتبع في كل شيء أشكر اللجنة على هذه الملاحظات المقدمة أحاول أجاوبوا عن كل الأسئلة اللي ما طرحت وما جاوبت بسلم. نبدأ بالسبب الأول اختيار كابوتو فابريزيو للعمل. تعرفوا أنتم كامل ونعرف احنا في الجامعة الجزائرية كامل أن الطالب لما ينجح في الكونكور تاع الدكتوراه اللجنة المسؤولة هي اللي تكلفة ما يعرفش حتى وشو دوره هذا ولا وشو العمل تاعك كابوتو فابريزيو. يتحط هو مباشر في الشيء هذا. كابوتو قبل ما يخدموا فابريزيو كان عنده شق وكان متشابه مع ريمانو اليوبي وكانت فيه نقاط شاذة كبيرة. نحاها هو حاول يحسن من المشتق هذا. نحى سنجلاريتي أعطانا مفهوم للشق الكسري قابل للتطبيق كما كان يشرح. استعمالاته واسعة بحكم أنه يحفظ اللي فيه ميموار يعني يحفظ كل ما يسرع بالنسبة للمتغير تاعنا. بالنسبة لليميت لما ألفا يقول واحد خليها للشيخ هو اللي راح يجاوب عليها. بالنسبة للمسألة الأستاذ مصباح يسأل على ليش ما درناش المسألة الكلاسيكية لا ديريفي كلاسيك. بالنسبة للمسألة القديمة راهي مدروسة فيها كل شيء خلاص. أنا كي تجي تدرس ماذا تريد؟ ما هي النتائج المرجوة من مسألة مدروسة من 1960 ولا قبل؟ هذه سيستام دي بريساتور. حيث قام الطالب باستبدال التركيز هذا هي احنا التركيز الاكس هنا الكونسنتراسيون بدلوها ب كي دخلوا عنها هذه ليفي تولينا فيتاس لا فيتاس هذا مفهوم الاشتقاق اللي دار على لا ليميت اللي دارها هذه حصلنا بها على السيستم فراكسيونال نستبدلوا عليها لان هذه القاعده هي اللي راهي هذه كما راهي في السيستم لا ليميت لما اكس الفا يقول واحد هذه تعطينا استبدال المسألة القديمة بالجديدة حتى واقعيا ما نشوفوها شيء ولكن هي كاين
بالنسبه لايك الصفر الاستاذ سال عليها ايك الزيرو هذه حتى ولو كان ما بالش راهي داخل في السيستم ما يقدرش يديمالي السيستم بالبيه حتى لو كان سقطت ما يكتبهاش في الفلاتيز ولا في العرب اكيد راهي داخله في الحساب لانه مستحيل يديمالي السيستم بلا ايك الزيرو. سمع انا هضرت على ايك الزيرو ايك الزيرو في السيستم ولا كلاسيك كي كي زيرو بصح في السيستم فراكسيون انا لا كاين كاين ما يديمالش السيستم راه يديمالي السيستم. هي راه تفاعل سرعة التفاعل هي كان عندنا الفيتاس هذا سرعة التفاعل الجينوم المشتق تاع الديريفي كلاسيك نروحو بدل ما نروحو لها بالديريفي العادي نروحو لها بالفانكسيونال اسكو الديريفي فانكسيونال تكتبتي كوم فيتاس الديريفي سويفون لو كون مي باز اون فيتاس هنا خرجت له نتائج قريبه للنتائج تاع الفيزياء، صار الخدمه تاعو، هو دار دوز ارتيكل، مش ارتيكل، الارتيكل الاول الى بروزي بلي راه من فيتاس كونسبونس، بابا كمل 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 عندك انت على فهم بور باسيس على فهم وتيرميني ابري اون باسي على فهم بور كلوفيري افيك Si vous avez terminé, on va passer la parole. Parce que moi, je suis très bien. Tout ce que c'est pas le système de Moshef. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اولا نشكر الطالب على ما قدمه من عرض واضح في حتى اشكال فقط حبيت نبين بعض النقاط الطالب هذا خدم خدمتين الخدمه الاولى في السيستم اللي راح يحل فيه راه اعتبر الفيتاس ثابت ومن بعد الخدمه الثانيه في الارتيكل الثاني اعتبر الفيتاس متغير بون الاجابه على السؤال تاعك انت اللي هو علاه الالفا تساوي ليميت كون الفا تونفير ان شكون او حمزه لهنا نورمالمون ال تونفير فير اون فونكسيون ديراك هكا حمزه شكون هكا الميزور ديراك مش اي كاينه الاكسيس ديزا ستادير ماهيش مش معرفه الموديل اللي خيروا الموديل اللي خيروا علاه قلت له خير فضيله فاطو على خاطر سهل له الخدمه عطى له بلوس دو ستابيليتي عطى له بلوس دو ستابيليتي باسكو هو لازم يبين الستابيليتي ليكزيستونس يونيسيتي دونك سي سا السبب اللي خيروا باش يختار هذا بون لي هذوما الاسئله الاستاذ جاوبك على الاسئله الاخرين انا اللي حبيت نقول نشكر الطالب كاين الاستاذ تاع يساوي ما جاوبناش عليه اللي تقريبا يساوي صفر جو كروا كون بيرسبكتيف بور ليتيديون راح نشوفوا هذا وعلاه ما لو نهزوها يساوي حاجه اخرى ما يساوي صفر واش راح يصفر دونك هذا البيرسبكتيف نورمالمون الطالب راه عنده بركه مع استاذ حمزه سيرتو مع استاذ حمزه دونك عنده كان مشروع بحث انه ما يهزوش يساوي صفر اخيرا نسمع الاجابه على وجب عليها نشكر الطالب كثيرا على العمل اللي قدمه لانه قدم عملين رائدين لان فكرت سؤال اسئلتي على علاه ما خدمش بلي ديريفي عادي ديريفي اللي نعرفوهم ديجا العمل اللي تقدم هذا السيستم ديساتور مش جديد استاذ تخدم بلا ديريفي كلاسي بصح ما عطاش افيكاسيتي كبيره وهكا حمزه صراحة حمزه كان عنده دور كبير في الخدمه هذه داروا عمل جيد جدا ونشكر الطالب مره اخرى وما ننساش نشكر الاستاذ حمزه اللي كان عنده دور مساعد كبير جدا مع الطالب
وربي يوفقك في المستقبل. مرسي. J'aime bien, parce que d'habitude on pose, on demande à la salle de poser une question. On va demander à M. Hamza de donner un commentaire, pourquoi pas, puisqu'il a été partie prenante quand même. C'est le directeur du labo, partie prenante dans le travail. C'est lui qui a encadré M. Bakoul. Dans ce cas-là, toute la suite, un petit peu, il a bel écho, il a un peu. Un esprit beaucoup plus large concernant ce genre de problème. Laissez-moi ici Hamza Mala. Il a été cité, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie tous les membres de jury, parce que vous faites appel fortement, surtout M. Mesbahi. Allah m'a dit que je suis venu à la maison. Je ne suis pas venu à la maison. أني شدك جيتي قاعدة تقول لي بلي قاعد تمرمد فيه على بالك نحكم وعلاه 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 نفهم كلش شوف حنا درك مضطرين نجاوبوك ليدي دو باز ا كومونسي بار اون بتيت كيوريوزيتي والله هي خشان طراس علاه بويسكو لا ديريفي دو كابوتو فابريزيو بار كونستركسيون تري انتريسونت ال ايتي تري انتريسونت حرق مخو باش دار. Donc la conformité de la dérivée fractionnelle de la dérivée de Capoto Fabrizio à la base, elle est même chargée. Donc le souci, c'était le Capoto Fabrizio, c'était ça. Il a inventé le problème. La dérivée pour enlever en premier lieu la singularité. Il m'a donc les réponses étaient claires, mais il n'était pas sûr. En fait, il divisait par t moins s. Et lorsqu'il dérivait par t moins s, ça lui créait un problème. Il cherche le zéro, il cherche un Dirac, c'est-à-dire. Il veut un Dirac à l'intérieur d'une intégrale, donc il cherche z'. Le type, il fait de la distribution de base. Il fait carmler. Il a mis l'exponentielle 1 moins alpha sur la dérivée, je tire d'un. On va atteindre 1 moins alpha à l'extérieur. Ce qui fait, il va sortir un Dirac sous l'intégrale, tu atteins une dérivée. De ce fait, dans le niveau de la limite, tu arrives vraiment une limite. Ok, puisque tu fais d alpha moins z prime, tu fais tendre alpha vers 1 et tout score au sens de distribution. Donc, si tu veux, ponctuellement, c'est la fonction f de base étudiée et c'est 1, pardon. Après, la dérivée qu'il a créée avant, qui était la dérivée de Capoto tout court, elle vérifie la conformité, mais si la fonction est c2. Donc, il a donné la conformité en répondant à la question d'Arc. Avec une autre dérivée que Capoto Fabrizio, on va tomber dans les mêmes résultats si la solution qu'on cherche, elle est c2. إذا كنا قاعدين نبنيو في ليزيكزومبل نبنيوهم برك مريصانا نقدروا نعميوكم ولكن هنا لو بروبليم إلي ريال فيزيك وعلى بالنا بلي لا سوليسيون نو با اتر سي دو بويسكو إل في بوكو دو سو دونك أو ماكسيموم إسبيري كالي سي أن دونك هو هز كسر كلش باه ولات سي زيرو إي سي سا لو بلوز إمبورتون إلي سورتي ميم دو سي أن إي سي سا لو بلوز إمبورتون إل ترافاي سو سي زيرو. علاه درك خدمنا بالكابوتو فابريزيو دون سو سونس ما كناش على بالنا واش غادي يخرج علاش لانه كابوتو فابريزيو سيتي اون بال ديريفي ديليسي ما داروش بها اخي اشاك فوا تخرج ديريفي فراكسيونير تلقى 1000 نوديو خرجت تو لي زيديو لي اكزيستي قبل الكل نجيبوهم نعاود نحلوهم بديريفي جديده والناس بيبلي تطلع في الكراد والحوايج يغشوك ويغشوني انا تاني يا اخي داكور سوف كو هذه ما مشاتش علاش بويسكو نافي با دانتيغرال ومن بعد كثر خير الطالب تاعي ايه هو اللي دار دير انتيغرال ولقينا واحد الحاجه مش مليحه لي جون نو سيت با يخدموا بالانتيغرال دو مون بكوش سون سيتي لارتيكل مالغري اوسي لارتيكل لو بلو سيتي اللي عندي هو هذا تاع مون بكوش مي سا ما فيت لابان يبعثوا لي دي زيديتور يقولوا لي شوف فلان مش قد سيتي فيك اقرا لارتيكل سي سيريو اي زالجيري مام نفتق في البارونتيز دونك كيس كيل فالي كونستروير ان موديل بور ديفوندر اون بريمي
mieux, pas la dérivée fractionnelle de Caputo Fabrizio, mais de dériver, de défendre l'intégrale de Mumba gauche. هو ايش قال لك هو قال لك صوم ومبكوش اون بي با جو با ريان كرير بويسكو ما نقدرش انفيرسي لا ديريفي دونك نولي ندير ابروكسيماسيون نيميريك على لا ديريفي من هنا تكريي لك ان بروبليم دركا اون فيزون سو جو دو بوبليكاسيون تعلمنا بوكو تشوز لا بريمير دي شوز سي كو لو سيستيم كلاسيك بور كو يمشي ويكون لا سوليسيون عنده ستابل اي تو سا il y a trop de conditions restrictives اذا ركزت مليح ما حطيناش بوكو دو كونديسيون Sur V1, V2, ils sont petits physiquement, parce que c'est des vitesses de réaction chimique, donc elles sont longues, le temps de ce fait, elles sont petites. Ou en plus, le terme hadak négligé, il contenait un mot alpha, ou hadak insatpal, ou alpha est choisi pour être proche de 1, ce qui argumente le choix. Sauf que, qu'en perspective, on doit faire mieux et on a. Un objectif, un travail qu'on fait en cours, où on ne va plus négliger ce thème. On regarde le jeu pour, en utilisant des dérivés fractionnels conformes. Donc, les dérivés fractionnels conformes, on a sur le plan analytique, pas de conditions. Sur les constantes A, V1, V2, V3, le classique exige des conditions. Deux, il nous permet de déceler qu'il n'y a pas d'instabilité numérique. Je pense que c'est une équation de Volterra, l'instabilité numérique. Par contre, lorsque vous faites des différences finies, par construction, elle est belle, il y a une instabilité. Et donc, un schéma physique qui, par construction, beaucoup de sauts, il y a beaucoup de sauts. Comment tu peux déceler un saut issu du modèle, mais un saut issu de l'instabilité numérique? On ne peut pas. Donc, on doit épurger ou nous les instabilités numériques, et donc, on n'a pas fait convergence étude stabilité, malgré on le sait faire. Parce que les revues A ou les autres, quand on a les résultats ou les théories, on a dit que les chargeurs, les articles qui sont très pédagogiques, qui m'a dit que c'est كي يولي بيداغوجيك خفيف ظريف نوليو نقولو له بلي انا ما نعرفوش نديرو نيميريك وراح نديرو سولمون سيميلاسيون اي سي سا لو سوسي سي ا بو بري بوركوا اوني اون تران دو فير سات ابروش اي لي كيستيون اتي تري تري بيرتينون تا واحد انا وين الشر يعني لا مرحبا بك مرحبا بك في اي وقت انا في اي انسان يخدم معنا اي لوبجيكتيف سيتي سا اون فات il faut le dire sans l'intégral de Mumba de gauche on pouvait pas faire ça. Il faut dire que la thèse de Mumba gauche contient un article qui n'était pas dans l'intérêt de son travail, ou rakassera son fil, ou créer une intégrale, publier ailleurs les objectifs terme. C'était pas ça. Ou elle faisait du BVP avec Mohamed Korola, il faisait avec moi les équations intégro-différentielles. Ou bien, tu t'inquiètes. L'intégrale, c'est ce que j'ai dit. Ou le résultat le plus important pour le travail jusqu'à maintenant de Mumba gauche, je dis, je le répète, c'est cette intégrale. Voilà, c'est la curiosité qui pousse à faire ça. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie notre collègue Hamza pour toutes ses explications. Il a bien défendu quand même ça, parce qu'en fin de compte, il est parti prenant dans ce genre de situation. Maintenant, je remercie encore le candidat. On va se retirer pour délibérer. Déjà, on a fait ça. On a délibéré. Thank you.
de jury. Je vais lire le rapport. Le candidat a présenté un exposé clair d'un petit gautron et traduisant une bonne maîtrise de son thème de recherche, jugé intéressant d'actualité avec des perspectives prometteuses. Le candidat a répondu de manière convaincante aux questions liées à son sujet de recherche, dont le résultat jugé positif et originaux validé par des publications dans des revues de renommée établie. Pour toutes les arguments cités ci-dessus, les membres du jury à l'unanimité ont décidé de discerner le titre de docteur 3e cycle dans la filière mathématique avec la mention très honorable à M. Melek Mohamed Lamine avec les félicitations du jury. Bon, bon, bon.